L'an passé, donc Monsieur Augustin Berck a été lauréat donc du prix Cosmos, prix international Cosmos. Donc voici les propos prononcés lors du discours de remise du prix. Le paradigme classique moderne occidental s'appuie ontologiquement sur le dualisme et logiquement sur le principe donc du tiers exclu, et c'est nécessairement accompagné de modernité et d'industrialisation. Le paradigme touche donc à une voie sans issue. Cette affirmation ne se li limite pas à un point de vue biologique. Sixième extinction de masse. Le paradigme donc est dans une impasse, aussi bien d'un point de vue éthique par la rupture des liens sociaux et d'un point de vue esthétique par la destruction des milieux. Voilà ce que a donc dit Monsieur le professeur Berck lors de ce discours et qui a donc définit la mésologie. Alors la réalité du milieu concret n'est ni entièrement objective, ni entièrement subjective, mais doit être appréhendée comme étant trajective. La réalité n'est pas un sujet appréhendé comme prédicat. La réalité concrète n'est pas le sujet, ni le prédicat, mais le S en tant que P pour I, c'est-à-dire l'interprète, donc SIP, donc la ternalité. Et cela est relié aussi bien aux sciences naturelles et aux sciences humaines. Ensuite, voici donc les quatre ouvrages qui attirent l'attention du professeur Berck, donc de Uxküll, Le monde des animaux et le monde des humains, de Watsuji, Le Fudo, le lien humain, Nishido Kitaro, La logique et la vie, Kinji Manishi, donc le monde des êtres humains. Il y a eu des critiques, mais je n'entrerai pas dans le détail. Mais ce que j'estime comme étant important, c'est le tétralème. Donc si l'on emprunte les propos de Monsieur Berck sur pour surmonter le dualisme et le principe du milieu exclu, la mésologie est nécessaire. Alors pour ce qui est de biinsertion, il y a toutes sortes d'exemples au Japon. Par exemple, le mitaté, une sorte d'approche métaphorique qui existe depuis les temps anciens. Donc ce mitaté est très difficile à traduire aussi bien en français qu'en anglais, mais j'en donnerai quelques exemples concrets ultérieurement. Il y a ensuite le haïda ou bien le tō. Donc il ne s'agit pas de e. C'est le tō en tant que tō dans la langue japonaise. C'est-à-dire que tō, c'est ni l'un ni l'autre. Ou bien qu'on appartient à l'un et l'autre. Précédemment, le satoyama, j'en ai parlé. Ensuite, le pont. Puis le torii et le portique. Et enfin, le engawa. Et puis finalement, le kata. Depuis fort longtemps. Donc, il y a le choju-giga, caricature d'animaux, apparu au XIIe siècle, vraiment le point de départ des mangas japonais. On voit des animaux donc adopter des gestures, des postures humaines. Il ne s'agit pas donc d'animaux. Donc finalement, dans le prolongement, il y a les kokeshi et les bonsaï, ou encore donc le bunraku. Donc il s'agit de marionnettes, mais en fait, ce sont les êtres humains qui habitent ces marionnettes. Donc on a pris l'habitude de voir ces marionnettes comme étant des gestes d'êtres humains. Plus récemment, les dessins animés, l'animation, les robots. Les Japonais donc reconnaissent l'âme de ces robots ou bien des personnages de dessins animés. Ensuite, le cosplay, par exemple, il s'agit d'adopter donc des costumes donc de personnages de dessins de manga ou bien de bon. Donc dans un costume, on porte ces costumes et on entre dans ces personnages. Il y a un artiste, Yasumasa Morimura, donc qui entre dans le personnage de la Joconde. Là, il entre dans le personnage d'Hitler. Et enfin à droite, donc il s'agit de Morimura Yasumasa. C'est un homme. Il s'agit donc de portraits et il se redécouvre sous un angle différent. Je vous ai parlé tout à l'heure de torii. Il ne s'agit pas donc de portail, de porte.
en France, vous avez l'arc de triomphe, qui est un emblème d'un retour triomphal. Par contre, au Japon, le torii, lorsque l'on passe sous le portique torii, il y a un endroit qui est ni extérieur ni intérieur, on s'y purifie et on entre dans le territoire du divin, de la divinité. C'est une frontière, mais il y a plusieurs torii. L'être humain, donc, peut se tenir droit dans un endroit qui est donc l'Aïda. Voici quelques rivières. Ici, la rivière fleuve des trois chemins, Sanzunokawa. Lorsqu'on le traverse, nous sommes dans l'au-delà. Donc, l'au-delà, c'est de l'autre côté au Japon. Il y a un pont par-dessus cette rivière. Et lorsque l'on traverse ce pont, nous sommes précisément dans l'Aïda et on peut le ressentir. Ceci a été cité aussi par le professeur Berg, il s'agit de l'engawa. C'est un fonctionnement assez surprenant dans les habitations japonaises. Nous sommes ni dans l'intérieur ni dans l'extérieur, à l'extérieur de la maison. Nous n'appartenons ni à l'intérieur de la maison ni à l'extérieur, mais on peut converser sur cet espace spécifique que l'on appelle engawa. Ensuite, le kata. C'est un phénomène tout à fait surprenant. Plus on y pense, plus c'est ce que nous ressentons. Au fur et à mesure que l'être humain se développe, il adopte toutes sortes de kata, de formes. Et à chaque fois, il doit changer sa manière de s'habiller, sa coiffure. Et à chacune des saisons, il y a ses ancêtres ou des divinités qui descendent sur Terre. Et pour accueillir ces divinités, on organise des festivités. Bien sûr, il y a un aspect religieux dans ces katas, mais tout ceci ne font qu'un. Qu'il s'agisse, donc, cela peut être aussi bien un kami shinto qu'une divinité bouddhique ou bien chrétienne aussi. Bon, on peut dire que c'est approximatif, mais en même temps, c'est de la liberté. Regardez. Ici, il s'agit d'un kata de karaté. Le karaté, ce n'est pas fait pour combattre. C'est un concentré du kata. Et on converse avec un interlocuteur. Donc, nous entrons entièrement dans ce kata. Nous ne sommes plus celui qu'on était donc quelques instants auparavant. Et on peut alors être capable de converser avec un interlocuteur inidentifié. Nous sommes maintenant dans la cérémonie de thé, où il y a donc des codes tout à fait particuliers. On offre du thé et on accepte le thé qui était offert. Nous ne sommes plus celui que nous étions. Et à partir du moment où on entre dans le kata, il y a divers degrés de liberté. C'est ce que l'on retrouve également dans le zazen, qui s'est assez diversifié ces derniers temps. Donc nous sommes en train de méditer et tout en étant un avec la nature, on se mêle à la nature et on s'efface en même temps. On peut découvrir toutes sortes de nous-mêmes, nous ne sommes plus nous-mêmes non plus. C'est ce type d'expérience. Et au fur et à mesure de notre croissance, il y a des étapes, le Shichigo-san, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et on peut prendre conscience qu'on a atteint donc telle ou telle étape. On porte des kimonos spécifiques. Il y a également cérémonie d'entrée dans l'âge adulte. Pour ce qui est du bon, donc on va au cimetière. Et d'autre part, il y a également les feux allumés lors du dernier jour de la fête des morts pour accompagner donc les esprits des ancêtres. Au nouvel an aussi. On décore l'entrée, on mange du osechi, on va également, donc, le obon, c'est bouddhique, et nouvel an, donc, c'est shinto, et là, il y a, pour ce qui est de Noël, c'est également une manifestation, c'est chrétien, donc c'est un événement très important. Autrement dit, pour le japonais, la religion, c'est une manifestation, donc, dans le cadre d'une culture. Et tout ceci, donc, est projeté dans le kata, ce n'est plus de la religion, mais à l'intérieur d'un kata, il y a une sorte d'aspect ludique. Le japonais donc s'amuse avec ses katas.